Okay. I'm back. C'est vraiment un live imprévu, mais bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes ce soir. So, why not? On va laisser le temps de tout le monde de rentrer. Non, ok. Oh, c'est quoi ce bug-là? Allô, allô. J'espère que tu vas bien. On va laisser le monde rentrer un peu. Mais pour voir comment je fonctionne, guys, tout est inscrit dans le message épinglé. Dans le fond, comme je fais d'habitude, vous avez droit à une petite question, oui ou non, gratuite, qui me permet de répondre par oui ou par non. Et c'est vraiment un mini tirage. Par contre, si vous voulez vraiment que j'élabore plus sur les questions que vous avez et tout, j'ai plusieurs services que j'offre ce soir. Et il suffit de regarder dans le message épinglé. J'ai par exemple une question à titre général, 1 dollar, une question à titre sentimental, c'est 25. Ou sinon, pour un tirage général et sentimental, c'est 30 dollars. Fait que je vous fais un petit rabais là-dessus. Et pour pouvoir faire votre paiement, c'est sur le lien qui est inscrit dans le message épinglé qui va vous rediriger sur mon site web directement pour faire votre paiement. OK? Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je ne pensais pas te revoir aussi rapidement, Tina. Mais j'espère que tout se passe bien pour vous tous, sinon aussi. Yes. Donc, si vous avez des questions et tout, it's time. Si vous voulez booker avec moi, c'est le temps, guys. It's time. Ah, aussi, j'ai lancé mon service de message de vos ancêtres aussi sur mon site web. Donc, ça sera vraiment un tirage complet en lien avec les messages que vos ancêtres veulent vous apporter. OK? So, il va être là pour un temps. Il n'est pas là temporairement, mais par contre, si je vois que personne n'est intéressé par ce type de tirage du service, je vais l'enlever. Parce que je l'avais auparavant, je l'avais enlevé, puis là, je l'ai remis. Fait que si je vois encore que personne n'est intéressé, je l'enlève. Ah, j'aurais dû me prendre ma peau. J'aurais dû prendre mon chlorophylle. Parfait. Je vais répondre à la première personne avant toi, OK? Voyons, Léa. D'accord. So, nous avons. Je veux pas. Ma... Si je prononce mal vos noms, je m'excuse, OK? Alindi. Ici dans le chat. Si son retour au travail. Perfect. Alindy, demande si son. Alindy, demande si son retour au travail se passera bien. Dans le chat ici. Yeah, t'inquiète, j'ai reçu. Bon, je reçois sur mon autre téléphone. T'inquiète, j'ai reçu. Quand je vais être à toi, je vais checker, c'est bon? Ah, attends, oh, je ne me suis même pas mis sur Do Not Disturb. Ah, zut, oh, c'est pas grave. Espérons que je ne reçois pas un appel. OK, Alindy, je m'excuse si je prononce mal ton nom. Okay, ce n'est vraiment pas mon intention, là. Est-ce que son retour au travail se passera bien? Ouf. Je ne sais pas si ça a rapport avec une nouvelle gestion qu'il va avoir ou tu risques de faire face à un certain challenge.
ou à quelque chose qui apportera un certain obstacle. Il y a quelque chose que lorsque tu vas retourner à ton travail, que tu vas voir qui va être différent, où on va t'apporter peut-être des nouvelles informations sur comment les choses se passent maintenant. Peut-être que tu vas planifier de faire quelque chose de différent, peut-être un peu plus tard, parce qu'on voit que tu cherches à faire de la planification. Fait, pour répondre à ta question, non. C'est juste de faire face à certains challenges. Ça peut être au niveau de la gestion, quelque chose avec quelque chose au niveau des règlements qui a changé ou par rapport au poste en tant que tel. Parce que vraiment, les cartes que j'ai, elles ne sont pas vraiment joyeuses. Je ne peux pas mentir. Hein. Je ne suis pas la rideuse qui va malheureusement toujours donner des messages positifs. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous donner des messages positifs. Au contraire, je veux ça. Mais je n'ai pas le choix de vous donner les messages tels qu'ils sont. Puis j'ai l'impression que tu vas faire face à certains challenges. Peut-être que c'est quelque chose avec tes collègues qui va être difficile à ton retour ou quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose où on va te donner des informations qui risquent de te blesser ou quelque chose. Mais, ouais. Mais le retour, il semble être compliqué, je vais dire. Il va être compliqué. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça peut être à cause des collègues aussi qui risqueront de faire chier un peu ou quelque chose. Ouais, gossip ou something like that, si on y va à ce niveau-là. Ou sinon, comme j'ai l'impression, c'est niveau gestion quelque chose. Ou quelque chose au niveau de la fonction du travail a changé ou va changer. En tout cas, c'est ce que j'ai pour toi. Si tu as besoin de quelque chose de plus détaillé, n'hésite pas à booker avec moi. Et j'espère que j'ai pu t'apporter certaines clarités quand même. Ah, ok. Léa, je suis à toi. Il est temps de poser vos questions, guys, parce que pour de vrai, je ne vais pas rester longtemps. Je le sens déjà, je suis épuisée tout d'un coup. Fait que si vous ne savez pas, moi, là, faire ce travail-là, c'est quelque chose qui me draine beaucoup énergétiquement. C'est, au contraire, ça me fait plaisir de venir faire ça pour vous. Mais on dirait que je ne peux pas faire des longues, longues, longues heures consécutives. Si je le fais, c'est dans un contexte genre d'événement ou quoi que ce soit. Là, je peux, mais sinon. Je fais, comme on dit, du travail léger. Surtout si vous pouvez le voir sur Instagram, comment je travaille là. Je fais des petits travails par-ci, par-là. Je m'y attendais. Je t'avoue, tu es sincère et vrai, j'apprécie. Oh, merci. Ça fait, je suis contente de lire ou d'entendre ce type de message parce que c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Puis je peux comprendre. Hein. On n'aime pas entendre nécessairement ce type de message-là. Peut-être que je me trompe. I hope que yes. But, ouais, c'est, je suis comme ça, je vais délivrer. Même, puis même pas juste dans mon travail, dans la vie de tous les jours. Je dis tout le temps, si vous voulez pas mon opinion, demandez-moi le pas. Au contraire, ma mère dit toujours, depuis que je suis jeune, j'ai une grosse bouche. Mais c'est pour certains, c'est pour dire qu'on parle trop. Mais elle, sa manière de dire que je parle trop, c'est juste parce que je suis trop honnête. Yeah, sometimes, j'ai vu que ça peut me mettre dans les problèmes. Hey, je suis comme ça. So, yes. J'apprécie que tu apprécies mon authenticité, mon honnêteté. So, yes. Thank you. Merci de t'avoir joint à moi. OK. OK. Karine est une bonne amie pour elle. Non, c'est correct. Ok, Karine. Le 21 février, Karine, vous êtes ok, c'est correct. Ok. Oui, on est rendu à ta sœur. Bon, hein?
Ça veut pas parler ou quoi? Oh, voilà. Elle semble sincère. Peut-être qu'elle est gênée ou quoi que ce soit, ou elle est timide, ou elle ne sait pas nécessairement bien communiquer, je ne sais pas. But, elle semble sincère. Elle semble t'apprécier. OK, elle semble beaucoup quand même t'apprécier. On va aller voir. Ouais, non. Non, cette personne-là, je ne sais pas si c'est un contexte d'école, de travail ou quoi que ce soit. Mais non, cette personne-là souhaite réellement que vous ayez une bonne... salut tout le monde, salut pour tous ceux qui me rejoignent. Non, cette personne-là semble vraiment sincèrement vouloir apprendre à te connaître. OK? Non, c'est ça. Cette personne-là trouve même que vous avez tellement des atomes crochus. Non, j'ai des bonnes cartes. J'ai des bonnes cartes. Non, she really want to be your friend. She really want to be your friend. Yeah. So, yeah, non, est-ce que c'est une bonne amie pour toi? À date, ouais, je vois que c'est quelqu'un que tu apprends à connaître sûrement. C'est peut-être récent ou en tout cas, parce que ça semble nouveau, peut-être. Avec le 2 de coupe et le Page of Cups. Mais en tout cas, elle souhaite que vous deveniez bonne amie, comme pour un bon bout, là, comme c'est des bons amis, like. Même comme quelqu'un qu'elle pourrait considérer comme sa famille ou quoi que ce soit de ce genre. So, ouais, je sais pas si t'es là, Léa, but c'est ce que j'ai pour toi. She feels she's a good friend. Elle va t'apporter comme... Oh, ça bug, OK. Elle va apporter quelque chose de peut-être différent à ce que tu connais dans l'amitié ou quelque chose comme ça. Du moins, vous allez bien vous entendre. Vous allez bien vous entendre. So, yeah. Il y a un bon potentiel d'amitié. OK. So, yes, je vais aller avec... ta question générale, je ne vais pas lire la question à voix haute. Yeah, non, en plus, le pire, c'est que même avant de tirer les cartes, je ne voulais pas le dire parce que j'avais peur de me tromper, mais j'étais comme, she feels sweet, like a sweet person. Je n'ai pas senti quelque chose de... Ah, c'est avec le 3 de Pentacle, okay, je savais que c'était un contexte genre collègue ou école. So, yes. Non, elle souhaite les bonnes choses. Elle souhaite. Je ne dis pas que dans l'amitié, il n'y a pas des up and down, mais elle a l'air à vraiment vouloir souhaiter que toi et elle, ça fonctionne. OK, laisse-moi aller observer ça. D'ailleurs, lorsque vous payez, pour tous ceux qui me regardent, lorsque vous payez, vous passez en avant de la ligne, just to say. OK. So, OK. Léa, je suis à toi encore. Ah, OK. Now. OK, c'est bon. Elle a le même âge que ma grande soeur, d'ailleurs. Ah, OK, nice. Peut-être que justement... C'est ça, j'ai vu. Souvent que tu t'entends bien avec les gens de cette génération... Famille, quand elle me dit souvent qu'elle me considère comme sa petite. Oh, tu vois, yeah, I see the Ten of Cups. Elle a l'air sincère. Elle a l'air sincère de ce que j'ai vu. OK? Now she feels sweet. OK, so. Ben, c'est ça, je réponds, c'est à toi, là, je passe, Léa. Vu que tu as fait un paiement, tu passes devant tout le monde. So, à toi, je réponds tes questions, j'ai checké tes DM, là. OK. «
Ouais, si vous faites des paiements là, vous payez pour vos tirages là, même s'il y a d'autres personnes qui attendent pour leur tirage gratuit, vous passez en avant. Vous passez en avant. J'ai marqué dans mon titre priorité aux payantes. So I'm here for you now. Oh, OK. OK. Feel is already about love. C'est normal, tu es très professionnel. Oh, merci, merci. Merci beaucoup. I feel it's about love we talking about. Non. Puis je suis même pas dans le sentimental, mais we talking about love, I feel. J'ai l'impression que premièrement, ils te disent que peu importe les épisodes que tu passes présentement, ouais, t'as l'air peiné. T'as l'air peiné intérieurement. But you want change. You want change in your life. Tu veux du changement dans ta vie. Puis on te dit que les choses. OK, on veut te rassurer premièrement que les choses ne vont pas être comme ça tout le temps. So for some reason, yeah, you... Je suis même étonnée que j'ai pas eu le 10 de bâton, hein. J'ai l'impression que tu t'acharnes beaucoup sur toi-même, ok? C'est le vibe que ça me donne. Mais ils disent que premièrement, les choses ne vont pas être comme ça. C'est juste que tu dois être patiente. Tu es dans un processus de guérison. Et que ça demande des sacrifices. Ça va te demander aussi même parfois des moments en isolation pour travailler sur ton purpose ou sur ton parcours spirituel, ok? By the way, quand même... J'ai le magicien et le high priestess. C'est big, de sens que c'est pas ce qui va venir vers toi dans ta vie, là, le partnership que tu vas avoir dans ta vie, c'est une personne qui est tout le temps en alignement avec sa spiritualité. Hein. So, mais je vois encore que comme tu es encore dans un parcours d'apprentissage et tout par rapport à qui tu es réellement. So, c'est comme tu es dans une recherche de qui tu es réellement, puis on finit jamais vraiment. Ben, pas qu'on finit jamais à apprendre à se connaître, c'est pas vrai, mais tu es encore dans ce stade-là, mais on veut que tu sois patiente avec toi. C'est ça qu'on te dit. Tu as l'air très dur avec toi. C'est l'énergie que j'ai. Tu vas l'avoir, cette vision que tu désires obtenir, peu importe ce que tu visionnes, OK? Avec ce 10 de pentacle, d'ailleurs, c'est la carte de la Vierge. Sauf que les Pentacles, c'est quelque chose qui arrive, et surtout avec le changement ici, avec le 2 de Pentacle, c'est quelque chose qui arrive, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais lentement, parce que ça demande à faire du travail. Les Pentacles, c'est quelque chose de lent, parce qu'il faut mettre, semer la graine, cultiver, tu sais, jusqu'à temps que ça pousse, puis ça fleurit. That's your journey. That's your path. C'est ton parcours. Sois patiente avec toi. Il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments, mais ça ne veut pas dire que tu es hors track. C'est ce qu'on veut te dire. Au contraire, tu diriges bien les biens vers où tu devrais aller. Stop being. Sois pas trop dur avec toi. Sois pas trop dur avec toi. Tu es trop dur avec toi. Tu as l'impression que genre, tu ne fais pas les choses correctement ou. Où tu step back, tu retournes en arrière à chaque fois. That's not the case, OK? Avec le magicien et le high priestess, comme je te dis, il y a comme une très bonne connexion qui arrive pour toi. C'est peut-être pas maintenant, but it's coming, OK? Il y a comme moi, malgré tout, je sens que c'est quelque chose de nice ici. Je vais voir s'ils ont des messages supplémentaires. Mais on te dit d'avoir vraiment de la patience avec toi. Tu es sur un parcours. Tu es dans un parcours. Tu grandis, tu évolues. You becoming a grown ass woman. Donne-toi cette chance aussi d'expérimenter certaines choses. Yeah, puis ton journey aussi est en rapport avec le fait de t'honorer, de te respecter. OK? C'est l'énergie que tu es en train de devenir. You're becoming a woman. Like,
So laisse-toi une chance, ok? Yeah, tu vois, again, tranquillement, pas vite, tu manifestes quand même cette connexion assez spirituelle. King of Wands, King of Wands, Queen of Wands. Yeah, I knew it is about love. It's about love. So, si tu te demandes vraiment est-ce que tu vas finir par avoir la personne que tu désires et tout, on te dit oui. Peut-être que même cette personne-là va être différente. Mais comme je te dis, comment je peux expliquer ça? C'est peut-être pas la personne que tu t'attends. Puis oui, peut-être que cette personne-là va être différente de ton type de personne, mais qui va être ton match. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. J'ai de High Priestess, de Magicien, de King of Wands, Queen of Wands. C'est pas petit, là. C'est pas petit. So, mais sinon, le message, c'est de ne pas être trop dur envers toi. Comme, t'es pas off track, t'es pas... Non. C'est normal que dans nos parcours, on va expérimenter des challenges, des défis, des obstacles. Et l'année 8 2024 va être... Ça aussi, c'est l'année du dragon. C'est l'année 8. On va faire face à des défis. Pourquoi? Pour notre évolution d'âme. So, sois patiente avec toi. OK? Damn, yeah. Puis tes anges sont bien et bien avec toi. Si tu penses qu'ils ne sont pas avec toi, ils sont avec toi. But sometimes, the healing journey, le parcours de guérison, demande de faire certains sacrifices. OK? So, yeah. Je ne sais pas si tu penses à bouger ou faire du sport ou quoi que ce soit, mais éventuellement, peut-être qu'ils veulent aussi te voir faire une activité ou quelque chose. Quelque chose comme ça. Et attention! D'accord, maman, on se fait vite. Je suis en direct. Excuse-moi, je suis en direct. Merci. So, yeah. Je vais aller voir ton autre question. Ouais. T'es trop dur envers toi-même. C'est pas la fin du monde, dans le fond. C'est pas la fin du monde. T'es pas off track. C'est pas ce que... Non. C'est sûr que si tu répètes la même affaire, là, c'est autre chose. But I think you're learning, tu apprends de tes erreurs. Oh, ma chérie. Yeah, sois patiente avec toi. Mais c'est pas mauvais non plus que tu es consciente comme ça ou que tu as tes craintes par rapport à certaines choses que tu fais ou que tu vis dans ta vie. Ça montre aussi que tu es consciente de certaines choses à quelque part. Il y en a qui vont juste faire des affaires puis qui s'en collissent. Tu comprends? So, yeah, donne-toi grâce. OK, deuxième question. Oh, cette personne-là a la même date de fête que ma cousine, qui est aussi ma meilleure amie. How this person feels. Cette personne-là te trouve très élégante, très charmante, aime la manière que tu te comportes ou que tu te tiens, comme même énergétiquement, t'as comme, j'appelle dire posture, I don't know, something, je sais pas pourquoi je pense à posture, peut-être comment tu te tiens, genre tu te dresses, mais même énergétiquement, c'est, Yeah, I knew it. What this person feels about her.
ça sera... Ok. Je sais pas pourquoi j'ai senti... Je sens que... Est-ce que cette personne-là cherche ton attention? Ça... Je sais pas pourquoi, mais cette personne-là cherche ton attention ou essaiera de chercher ton attention. Excuse-moi. Oui? Je suis en direct. Ok. Cette personne-là est comme curieuse par rapport à toi. Elle aimerait comme plus découvrir qui tu es, surtout sur un aspect plutôt physique aussi. Je sais pas. Cette personne me donne un vibe immature sur la manière qu'elle peut t'approcher ou qu'elle souhaite t'approcher. Cette personne-là voit que vraiment tu es une personne avec qui, comme, tu sais, t'es un mariage matériel and things like that. You will be a good woman for him. Like, c'est comme, c'est bizarre. Il peut visionner comme si, il peut te visionner avec lui dans le futur, mais il y a quand même une part de lui que tout ce qui parle d'engagement ou de quelque chose de sérieux, ça le fait peur. Ça le fait peur. C'est comme si pour lui, ça cause énormément de problèmes. So, je sais pas, c'est bizarre parce que c'est comme si il want to come towards you. Il veut venir vers toi, hein, communiquer avec toi. Comment je peux dire ça? Il play hard to get un peu ou il fait comme si, comme... Je sais pas. Comment je cherche les bonbons. J'ai quelque chose, mais je cherche les bonbons. Not play hard to get, but... Il fait comme si qu'il était indifférent un peu. Non, mais pour de vrai, genre, il t'admire beaucoup. Il aime la femme que tu es, genre. Il aime ça. Il file aussi que tu es une bonne, tu es travaillante. Encore une fois, je ne sais pas si c'est concept du travail ou école, je ne sais pas, but... Mais il semble vouloir... Ouais, il fait comme si qu'il s'en foutait, mais c'est pas vrai. Il va essayer de chercher ton attention quand même. For some reason. C'est de la manière qu'il agit qui est très immature, comme... Ça me donne un vibe, genre... C'est comme... Mais c'est parce que... Je sais pas comment... Je peux pas donner des excuses pour la personne, je la connais pas, mais c'est pas de sa faute. Il don't know better. Il sait pas mieux que ça. Fait que... Ouais... How he feels about you is that... I feel you are a good woman. Yes, y'a pas de doute. Y'a pas de doute, like... But... Comme... Il y a des peurs par rapport au... Ça peut être par rapport à toi, spécifiquement, mais genre, tu peux l'intimider d'une manière ou d'une autre, ou... Je sais pas, il y a quelque chose avec ton énergie qui lui fait comme, oh, je peux pas niaiser avec cette fille. Mais genre, pas comme si tu vas le cuss out, like, c'est genre... C'est bizarre, comment je peux dire ça? Il sait qu'il doit te prendre au sérieux, mais il sera pas capable. C'est bizarre. Comme, il te met vraiment sur un piédestal. Pour de vrai, il te met sur un piédestal. Je le vois. Mais c'est comme si qu'il va agir comme si qu'il s'en foutait. Ou qu'il était différent. Ou que genre, I'm the best. Ou même pas genre comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ou genre, oh, allô, tu sais, comme s'il s'en foutait. C'est pas vrai. C'est... Mais tu sais quoi? I hope qu'il ne va pas faire perdre ton temps. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie qu'il est très conscient qu'il n'est peut-être pas à ta hauteur sans paraître prétentieuse ou cocky. Like. C'est pas... C'est ça, c'est comportement Lionel. Yeah! Leo loves attention. Je vais voir si on dit plus de choses, but yeah, c'est vraiment qu'est-ce qu'on me donne, hein? Je sais pas s'il y a vraiment
l'intelligence émotionnelle pour comprendre que si il sait au fond de lui qu'il n'est pas prêt à donner un engagement, quelque chose de stable et tout et de sain, j'espère qu'il va pas prendre son temps pour essayer de faire perdre ton temps, parce qu'il y a de la réalisation quand même malgré tout là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il va quand même chercher ton attention, je sais pas. C'est ce King of Swords là. Yeah, ok. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé d'intelligence émotionnelle. Lisez ma carte. Lisez. Je parle pas pour rien. Lisez ma carte. J'ai pas dit ça. J'ai pas parlé de... Je pense qu'il y a, il a de l'intelligence émotionnelle pour comprendre que genre si il vient vers toi, c'est pour te donner quelque chose de stable. Sinon, il comprendra que non, comme il faut qu'il se tienne loin un peu. OK. Je pense qu'un de ses défis, c'est d'acquérir de l'intelligence émotionnelle. C'est peut-être ça aussi qu'on me dit. Hein? Il can be selfish. Il peut avoir des tendances égoïstes. Hein? But, fait que, non, c'est ça. Il aime beaucoup ta personne. Je peux pas mentir, je vois qu'il t'admire bien. Je sais pas si vous communiquez souvent ensemble et tout, il aime bien communiquer avec toi. Mais c'est comme si qu'il faisait comme si qu'il était différent, mais c'est pas vrai. Il admire qui tu es. Tu peux voir mon sort? Je comprends pas votre question. Fait que, c'est ça. Mais, damn, ok, that's why. Oh, ok, that makes sense, mais t'as parlé de cousin, whatever, on a la carte de la famille, that makes sense. Oh, ok. Ok. C'est ça qui fait en sorte qu'il sait qu'il ne peut pas niaiser avec toi. Because of a family member. Ok. Ok. C'est pour ça qu'on m'a sorti le 10 de coupe. Avec le 10 de pantalon. Ok. C'est à cause de ça? Ah ben tu sais quoi? Tant mieux. Si il sait qu'il ne peut pas niaiser. Tant mieux. Comme. À plus, Alinda. Wow. That's okay, that makes sense. C'est ça, j'avais cette affaire-là de... Il veut chercher ton attention et tout, faire certaines choses... Mais il ne veut pas aller trop loin. Il n'osait pas trop. Yo! Il y avait des... Mais il y a aussi cette peur que comme... Il sait qu'il ne peut pas niaiser. Fait que voilà. It makes sense. OK. OK. Oh, petit cas, girl. C'est ce que j'ai pour toi, hein? Yeah. Espérons qu'il ait assez d'intelligence émotionnelle pour savoir que s'il n'est pas prêt ou whatever, il don't need to go further. OK? Ok, mais il admire beaucoup qui tu es. Il aime beaucoup ta présence, disons. So, yes, girl, c'est ce que j'ai pour toi. Et j'espère que ceci a pu résonner. Ok, je suis à... Je pense que j'ai tout répondu pour toi, ma belle. Là, je suis à... Non. Ouais, ou le message épinglé aussi. Merci, mes modos. Tina. Oh, tu m'as dit. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Hi, what's up, dog? What's up? On parle comme ça, mon cher. Tu m'as dit. Yeah, spirit, parle. Mon amour. Oui? Attention, s'il te plaît. Merci. Je sais, merci, c'est correct. C'est avec ton ami, tu parles? Ouais,
Ok, c'est bon. Bon, ok. Sinon, je suis à toi. On va cleanse. Oh, est-ce que... Non, je ne l'ai pas. Il est quoi? Ah, 22h04. J'ai déjà... Ok. Il me semblait que tu avais de l'école demain. Il me semblait que tu allais à l'école demain. Il me semblait que tu allais à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle parle de mon fils. Ah, oh, ok. Ah, oh, non, c'est Happy Land, là. Sinon, vous allez... Habituellement, sinon, la semaine, vous ne l'entendez pas, là. Il dort à cette heure-là. Non, non, c'est Happy Land, là. L'enfant est fatigué aussi. Mais genre, c'est les études et tout. Puis, il m'a donné un beau bulletin, en plus. Je suis comme, il va, il dort tard. C'est correct. Mais tout à l'heure, il va se coucher. Maman aussi est fatiguée. Elle a besoin de sa soirée, là. Ouais, je suis une maman. I'm a stoner. Oui, j'assume, je suis une stoner. Sur le soir, j'ai besoin de mon petit moment là. C'est bon, là, t'as joué là. Eh ben là, aujourd'hui, on s'est promené, on est allé à la crèmerie et tout. Après ça, je suis fatiguée là. Parce qu'il est énergique. Ouais, il est énergique parce qu'il parle à son ami de classe en ce moment. Fortnite. Si vous avez des enfants dans la génération des Gen Alpha, cette affaire de technologie, damn! Elle a dit qu'être le Tao. Attends, le Tao ne veut pas toujours dire comme si yo, il va se passer quelque chose de deep. Des fois, ça peut pas, il peut se passer quelque chose de soudain aussi. Ouais, c'est vrai, c'est... Je vais trop loin, là, moi. Mm-mm. Tellement je parle en pile. Ouais, je pense que tu peux faire confiance à cette personne-là, mais il y a quelque chose qui semble maladroit avec cette personne-là. Je ne sais pas si c'est dans sa manière de communiquer. Il y a quelque chose qui va te déranger avec cette personne-là. Là. Non, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ton énergie. J'ai l'impression que c'est ton énergie. So, je ne sais pas. It's not like you so tired. Like. Mais sinon, tu peux le faire confiance à cette personne-là. Il y a quelque chose avec la manière qu'il communique ou qu'est-ce qu'il dit qui te fait comme ouf, tu sais, lourd là où tu m'énerves. Il y a quelque chose qui va te faire, qui va t'énerver. Ah. Mais sinon, non, j'ai l'impression que c'est une personne avec qui tu peux bien t'entendre ou que tu peux faire confiance. Si par exemple, ah non, c'est le genre de personne que s'il est maladroit, il dit quelque chose que tu sais qui ne te plaît pas ou quoi que ce soit, tu sais, il n'y aura pas de comment je peux dire ça, de misère à prendre responsabilité de ses actions, de ses paroles. Mais aussi, c'est une personne qui semble te dire pas mal ce qu'elle pense aussi. So, j'ai l'impression que... why the tower? Je sais pas.
Je pense qu'il va juste se passer quelque chose. Je sais pas, là. Je peux pas ignorer le tarot quand même. Pourquoi le tarot? Ah bon? Ah bon? T'as plusieurs prétendants, hein? T'as plusieurs prétendants, hein? Donc ça c'est comme c'est ça c'est comme ça sent pas comme il va se passer quelque chose de majeur, mais genre il feels like he want to try something. Je suis comme l'énergie là de la personne tannée, c'est toi. Qu'est-ce que t'as écrit? Ah, c'est ça! Yo! Avec le King of Cups qui est sorti, ben ouais! Ben ouais! Sauf que. Attention! Je sais que toi, t'es plutôt quelqu'un de très traditionnel. Est-ce que c'est qui, je pense? I don't know. Faudrait que je me mélange entre vous tous, pour de vrai. Ça se peut que je dise n'importe quoi. Bon. Il aime l'attention, hein? Lui, oh. Bref, oui, tu peux lui faire confiance, mais je vois que c'est toi qui vas être tanné. Je vais même pas aller plus loin. Ok. Yo, bye. 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 Il veut le lit là. Bye. Bye. Oh. Attends. Hey. Je suis en direct. Excusez-moi. I need to call you out. Parce qu'il y a des chances que yo, you give it to him. Tu fais ce que tu veux pour de vrai. Il n'y a pas de jugement ici. C'est peut-être ça la carte du tarot. Ouais, où il y a quelque chose qui, y a quelque chose qui va. Ça va souvent tellement peser lourd que ça fait ouh! Mon fils, yo, mon fils, là, vous l'avez entendu, en ciboulette. Oh my God. Ah, yo. Yo, en tout cas, il veut ton attention, ça c'est sûr. Ou à moins que l'énergie que je capte, c'est qu'il va quand même s'essayer jusqu'à temps que tu lâches prise, genre, que tu fasses comme yo. On y va, genre, yo, je te dis, il y a quelque chose. Ah, bombastic side eyes. Ah, on est des humains, hein, on a des besoins des fois. Ah, je suis plus capable. Je suis plus capable avec moi-même. En tout cas, sinon, ouais, tu peux me faire confiance, mais c'est quelqu'un qui semble steal the pot. Genre, Christina, Christina, je veux que tu viennes vers moi. J'ai mal au ventre. Je peux pas rire. Il faut pas m'écouter des fois. Bah toi, c'est qu'est-ce que j'ai eu pour toi? Ah, c'est ça, tu vas pas sentir bien. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est genre, on parle de ça en live. Je pourrais pas. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ah, puis désolé si vous entendez mon garçon là. Il est tannant là. Il risque de me niaiser. Ah, oh, merde, you're estimé, everyday. Sometimes, il faut plus que du you're estimé, man. Ah, je suis dead. Oh, merde.
continent. Non. Ou méchant, ben. Quand, ben. Hé, Rome, ta voix, s'il vous plaît. Merci. Man. Donc, s'il n'y a pas d'eau. Oh, mon cher, tu dis ça comme ça, comme ça même. Ben non, mon cher. Ah, ta mère qui est en Évise. Ah! That's why you can be rude, man. Qu'est-ce que bon. De toute façon, vous comprenez. Moi, je suis juste la spectatrice. Je vous regarde. Je regarde qu'est-ce que vous disiez. Moi, je suis comme oh. Oh. Ok, c'est bon. Pas de stress. Je suis encore là. Mercury et Aries. Quand qu'elle puisse apprendre de mes erreurs. Yeah, it's love. I know it's love. Vous apprenez, je suis pas mal sûre de chacune d'entre vous aussi, là. T'inquiète pas. Ah, je sais c'est quoi la fraternité. Je suis pas enfant unique, là. Fait que je sais c'est quoi. Puis nous, là, on pourrait. Je sais même pas si les gens pourraient dire qu'on était dysfonctionnels, tellement qu'on se parlait mal, même. Là, on a vieilli. Fait que là, c'est. Shit avant, là. Waouh. Moi, mes soeurs et nos frères. C'était dégueulasse. Personne can be rude, don't be flirtatious. No, I know she can be rude. Tu parles comme si j'étais une bitch. Oh Lord, faites-moi parler. Mais t'inquiète, I know she can be feisty. I know she can be feisty. Oh bon, many food. Any foot. Ah, moi, je ne rentre pas dans la conversation familiale, là. Ah, tu es l'aîné. Oh. Moi, je suis le black mouton. Je suis l'enfant du milieu. Tu sais, les bizarres, ils disent que le mouton noir de la famille est la personne la plus bizarre, là. C'est moi. Je peux pas faire des stupidités comme ça en live. Ah, Big Cap. What's up, Big Cap? Je sais même pas c'est qui. Of course, I do have flame, lol. Je suis l'avant-dernière, t'es l'avant-dernière. Mais moi aussi, je suis l'avant-dernière. Je suis l'avant-dernière. Hein? Des Virgos, avant-dernière. Quoi que tu te considères balance, là, c'est pas grave. Oh, le capeur. Le capeur. Le cap-cap. So, guys, si vous avez des questions. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez poser une question, oui ou non? Gratuite, c'est un petit tirage, vous avez le droit. Sinon, pour des questions plus détaillées, regardez mes services que j'offre dans la description. Love how you say my name, where are you from? Montreal, Canada. Big cap. Where you from? Yeah, twins. Nobody knows me like you do know. Ok, j'arrête. Ce soir, je suis. Wow. Ce soir, je suis stupide. Ma soeur a dit qu'elle. Ouais, j'ai vu. T'inquiète, j'ai vu. Oh, Lord. United States. Where? In the US is. Big, where are you from? Florida, Manhattan, Boston, ATL. Well, but not for real.
Welcome to my live recap. Tennessee, okay. I never been in Tennessee. I went to Boston, Atlanta, Florida, Brooklyn, and I think it's that. But I want to see the states. So yeah. How are you, big cap? And don't like. Okay. Nobody knows me like you do, no. I love that. Okay. I love that people from the States or somewhere else find my life. I don't know if you understand when I speak French, but my lives are mostly in French. Oh, okay, 37. Yes, nice. My brother, is 37 too. I have a brother in your age. Simplement. Mais oui, c'est un peu ici. J'avais pas de questions sérieuses, mais je voulais les encourager. Oh, merci. C'est gentil. Merci. J'apprécie. C'est très gentil. I don't know. Your name is Big Cap. Lol. Ella Dunn. Je suis plus capable. Ah, she's right, though. Your name is Big Cap. So she's like, don't lie. Okay, enough. Ah, ta soeur la dead. C'est vrai en plus. It's like, why lying? Why I'm lying? She's like, because of your name. Oh, this is so funny. Oh, shit. N'oubliez pas de liker, like, comment, share the live, please, everybody that's watching me right now. But I want to do more live in English, but I'm so scared because of my accent. Like, I don't like my accent when I speak English. That's one of the reasons I don't do live on IG. I don't want like to be like a robot, like it's words play on my speaking my tongue into my what? J'ai pas bien lu. What? Okay, big cap. Laisse-le, Christina. Si je vois qu'il dit d'autres affaires fucked up. Léa me dead. Elle a dit envoie-moi un petit virement là pour m'encourager à aller à l'école. Je suis dead. Bon. Christina. C'est que j'ai d'autres prétendants. Ok. Don't be speaking freaky stuff to me. I'm different language. I will not speak freaky things to you. I don't have time like for that. I'm working right now, sir. Ma soeur pense tout que je suis sa banque. She dead. Bon. Hmm.
On a le 6 de bâton, de d'épée, pardon. Yes, let me work. Let me work. T'inquiète, Tina, il est correct. Il est posé, il est posé. Il n'y a rien fait de fucked up encore. Oh, OK. Why? Yes, I'm there. Non, c'est pas vrai. I'm not thirsty like that. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. I want to joke and play. Damn, c'est quoi toutes ces cartes majeures? OK, attends, là, on va focuser. It's time to focus. You don't see the side of me, eh, girls? Les filles sont comme Gabrielle. Let me leave. Six ans célibataire. C'est correct que tu m'appelles B, là. On va jamais se voir. Ah, je suis trop dead. So, damn, OK. What is happening right now? On est comme ça, mais c'est ça, là. Oh, oh. OK, là, pour la question que j'ai reçue, là, hein? Damn. Oh, no, là, you're becoming too much for me, là, hein? It's not some own stuff here, OK? I appreciate you here with me, but, eh, keep it low. Keep it low, eh, keep it low, OK? Like... We keep low, eh? Respect the woman here. Respect my face too, please. OK. OK, non, mais sérieusement, oui, pour répondre à ta question, il sait. Mais c'est comme si... C'est bizarre. C'est comme si il ne l'envisage pas nécessairement. Ou c'est comme il y a un côté de lui qu'il sait que genre tu pourrais bouger quand tu veux. OK, thank you, thank you, thank you. Yes, no, like, is... Il fait, c'est comme... I feel it's, yeah, I knew it. It's pride, OK. Il a beaucoup de fierté, de sens aussi. Cette personne-là essaie de faire tout pour que tu sois à lui, genre, même si c'est pas quelque chose de sérieux un peu. C'est comme s'il ne veut pas concevoir que c'est une possibilité parce que ça va lui faire vraiment beaucoup de peine. C'est comme, non, je veux pas la voir partir, like, nope. Il veut pas devoir partir. C'est comme il sait qu'il y a une possibilité, il sait peut-être pas en tant que tel, mais il sait qu'il y a une possibilité que oui, et que tu pourrais bouger à tout moment, puis ça, c'est quelque chose que, même s'il te dirait pas, je crois qu'il te le ferait savoir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par ses agissements ou qu'est-ce qu'il te dirait, et ça lui ferait de la peine. Ouais, j'ai le 9 d'épée suivi du 5 de pentacle et le 3 de coupe. C'est comme trois cartes back-to-back de difficultés, stress, hardship. Like, c'est... Damn, OK. Mais c'est ça, tu vois, ils vont faire comme si, yo, je suis pas mal, je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Au contraire, c'est pas vrai, ça. Donc, au contraire, j'ai l'impression que si ça fonctionnerait pas ou tu irais voir ailleurs, ils trouveraient un moyen de continuer à communiquer avec toi, à parler ou quoi que ce soit. Ils essaieraient d'arranger les choses pour faire en sorte que tu restes dans sa vie. Parce que, ouais, avec le King of Pentacles, il essaie de rester là. Mais, I feel
c'est à cause de son ego qui serait pas capable de le digérer. Nous avons quand même le set de DP ici. So, comme the main list of French annoyance. Oui, so that's a no. Oui, you know, oui, yes, like, yes. Yeah, je sais pas. Yeah, je te dis, il le prendrait tellement d'une manière difficile. Surtout avec la carte du démon ici. Il le prendrait vraiment d'une manière vraiment difficile. Puis tu dis, il need to speak more. Ouais, avec la carte de la lune, il suppresse beaucoup de choses. Ah non, il ne le vivrait pas bien. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il sait que tu as des prétendants? Attends. Est-ce qu'il a des prétendants? Est-ce qu'il a des prétendants? Oh shit, oh shit. Yeah, il sait que oui, il sait. Il sait aussi qu'il y a une possibilité que tu pourrais juste décider de vague. Mais c'est vrai, de manière là, on va se parler sérieusement. Oui, c'est vrai. Oui, non, il en est conscient, hein? Il en est conscient que tu as des prétendants. Il sait. Je sais pas si tu en as parlé ou tout ou quoi que ce soit. Ouais, il sait. Ça pourrait venir à tout moment. Que tu livres, yeah, ça va, qu'est-ce que j'ai dit ici, que tu peux bouger à n'importe quel moment. So, encore une fois, c'est normal, vous n'êtes pas au couple, so, vous ne devez rien en quelque sorte. So, dans sa tête, c'est normal qu'il se dise, yo, elle peut partir quand elle veut. Oh, Léa, you want to learn French. So, yeah, non, like. Ouais, mais tu vois, t'aimerais ça qu'il fasse plus de choses. Ben, c'est ça, une personne qui te veut vraiment, c'est pas nécessairement. Tu sais, des fois, faut regarder plus loin que les feelings, hein. Si la personne n'est pas capable ou willing de faire les actions puis faire les efforts nécessaires, yo, c'est pas le seul partenaire dans le monde. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est vrai. On ne peut pas mettre toutes nos balles dans une seule basket si surtout la personne n'en fait pas assez. Like, pourquoi elle continue à essayer d'expecter, you know? Un homme qui veut vraiment va le faire. C'est ce que j'ai appris par expérience. C'est vrai. Puis tu sais, moi aussi, là, j'étais celle que quand je datais, là, je mettais toutes mes balles chez un seul homme. Ils vont pas se gêner là, d'aller ailleurs, là. Tu comprends? C'est comme, non, quand on date, c'est mieux de date plusieurs, quand même. Ça sonne, les gens vont dire ça sonne mauvais, mais non. Tu peux pas juste mettre toutes tes balles chez quelqu'un. Tu vois que ça fonctionne pas avec un tel, bon, ok, bye. 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 C'est vrai. Puis vous dites-vous que c'est maintenant que j'apprends ça. C'est maintenant. Vraiment là. C'est maintenant. C'est que. Ouais. Non, play the game. C'est vraiment ça. Il ne donne pas assez. Tu voudrais qu'il fasse plus de choses. Alors, va chercher quelqu'un qui va faire plus de choses. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que si tu expectes ou que tu continues à attendre après qu'est-ce que cette personne-là fasse quelque chose, non, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. C'est plate parce que surtout quand on aime quelqu'un, on se dit, ah, yo, je vais lui donner des chances et puis si, puis ça. But non, c'est non. Yeah, c'est ça. Non, c'est. Non. Il n'y a rien de mal là, les d'été plusieurs personnes. Puis quand je parle de d'été, ça ne veut pas dire open de couch. En passant, là. Ça ne veut pas dire d'aller open de couch, mais va rencontrer d'autres personnes. Parce que là, il me semble que ce n'est pas la première fois que tu me dis qu'il ne fait pas assez. Puis tu es encore là à me dire aujourd'hui qu'il ne fait pas encore assez. Pourquoi tu t'attends à quelque chose alors? Tu comprends ce que je veux dire? Ok, I think black women are very beautiful. Oh, thank you. Thank you, thank you.
Yes, we are beautiful. Melanin, beautiful. So, if nobody have more questions for me, s'il y a personne qui a des questions pour moi. Non, non, non. Je suis en direct, s'il te plaît. Merci. So, yeah, je n'ai pas encore une discussion avec lui. OK. Et une discussion avec, si tu vois que yo, ça ne s'amène pas où tu souhaiterais, puis qu'il y a encore de la confusion, des jeux, il ne parle pas assez, il n'est pas vulnérable, whatever. Attends-toi pas là. Oh, OK, tu essaies de traduire pour lui. Oh, OK. I think Leah will become your teacher. So, yeah, guys. I'll be teaching him how to say it in French. I think black women are beautiful. Je pense que les femmes sont belles. You said it right. Tu l'as bien dit. Ok, tu veux dire moi que je le... Ok, vague. Non. I'm working already, girl. I'm working for you, girl. Like, you can teach him. I don't have the time for that. Non, mais sérieusement. En tout cas, merci tout le monde d'être, d'avoir été là pour de vrai. C'est le fun de revenir, de jaser avec vous. Ah, les femmes noires. I think black women are beautiful. Je pense que les femmes noires sont vraiment belles. Mais c'est ça, c'est la traduction. Je ne comprends pas. Non, mais sérieusement, ça faudrait, là, j'aime bien venir ici sur chatter, parler avec vous, là, guys. Pendant que vous êtes là, pour tous ceux qui me regardent, est-ce que vous avez des suggestions de choses que vous voulez voir sur ma chaîne? Voulez-vous que je passe plus en live? Tell me. Ah, c'est cute, ça. Tu veux que t'apporte des idées? Oh my God. Ouais, non, ça fait du bien. Puis moi, maintenant, je deviens de plus en plus confortable à la caméra. So, c'est nice. I love it. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ça me fait 3 ans sur YouTube. It's been 3 years in YouTube. And it's a nice journey for me. Je n'aurais jamais cru que j'aurais été sur YouTube. Puis quand je vous dis j'ai été guidée là pour de vrai à venir sur YouTube, of course, il faut que je fasse ma clientèle, faut que je fasse mes affaires, je dois faire mon cob aussi, mais j'aurais jamais cru que j'aurais été sur YouTube, je voulais pas. So. Oh, what's next in your love life? Okay, maybe I choose a hard starter. Let's say Big Cat or what's next in your love life? Big Cap is big liar, like gros menteur. Or you want to know how to say what's next in your love life? I'm confused like with the discussion right now. I don't know like, where we at. Oh, tu veux te mettre ton pyjama? Oui. Check là. Sinon, celui que tu avais dans le salon. Il est dans le salon? Oui, mais là, je suis occupée. Mon ami. Désolée, il était plutôt tout te dérange, mais désolée. Tu vas te mettre ton pyjama, c'est bien. Je vais te dire ça tantôt. Okay. Parce que c'était pas pour moi les fruits, c'était pour les guides. Super! Et il faut que je les remercie. Non, c'est pour ma soeur. Oh, OK. Oh, je me suis trompée. Tu vois, OK. Aïe, je pensais que c'était Big Cap qui disait ça.
Genre, or what's next in your love life? Yeah, you can see what's next in your love life, or what else can I proposer? Mais dans le fond, je sais pas, là, je connais pas ses affaires personnelles, là, vraiment. Non, mais là, mon grand, je suis occupée. Mais quoi? C'est même pas dérangé? So, je vais être là. OK, encore quelques minutes, guys. C'est 5 minutes pour tous ceux qui me regardent. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, hein. Likez la vidéo, vous êtes 8 à me regarder. Like de vidéo. Like the video, guys. Please, it helped me a lot. And it's $3.99 to do it. So, yes. Oh, okay. Okay, okay. I had something. Bonjour, est-ce que ton mari va être quelqu'un de spirituel? Excusez-moi. Je te laisse le temps de réfléchir, Tina. J'ai vu que tu m'as envoyé quelque chose, donc... Non, si... Oh, tu es plus de ici. Oui. Oui, oui, oui. Allez, viens. Oui, bonjour. Donc, quelqu'un t'a dit que ma personne serait peut-être... Non, mais ça se peut, hein. Ça se peut. Des fois, les personnes avec qui on aboutit ne sont pas nécessairement le type de personne qu'on recherche. Oui. Ouais, mais ça se peut. Mais c'est aussi parce que, tu sais, tu vas évoluer, tu grandis et tout. Fait que toi aussi, tu vas changer à quelque part. Fait tu comprends? Fait que peut-être que ton style, tes goûts aussi vont changer éventuellement. Tu sais, plein d'affaires aussi. Ah! Ah! Yo! Oh, wow! Elle a dit... Ok, tu l'as dit. Elle dit, moi, juste H. Ça dit, c'est pas vers le type de personne que tu vas habituellement. Peut-être que... Ouais, ça se peut, peut-être au niveau de la personnalité. Ça peut être... Mais ça peut être aussi physiquement, différemment ou culturellement. Je sais pas. Le temps te le dira. Ben ouais, when you love, you love. Je pense que tu m'as envoyé. Ok. Ok. On va terminer avec toi. Oh. Oh, okay. Oh my god, vraiment les filles vous tuez dans le chat. Faut que je me concentre, pour de vrai, faut que je me concentre. Elle a dit get the juice. Oh my god, oh my god. Yo, yo, j'étais en train de checker mes DM, je lève ma tête, je tombe sur ça, man. Pour de vrai, wow, vous êtes des tueuses, pour de vrai, vous êtes des tueuses. Wow, je suis fucking dead. Ok. Yo, je peux plus, man. Je m'attendais pas à ça.
Ok, il faut que je canalise. Les filles vous faites rire dans le chat, tout de même. Attends. Attends, voilà qu'une dernière carte. Je pense que... Oh, man. How can I say it? Parce que je ne sais pas si c'est à la journée même de ton anniversaire, mais j'arrête pas d'entendre birthday sex, ok? And I have this. Ok? Je vais dire quelque chose là. Hein? Il y a cette énergie de grossesse. Hein? Il faut faire attention si tu... Ok? Parce que hein, l'énergie est très proéminente ici. Ok? Elle est très présente. Donc... Non, c'est ça, non, ce n'est pas la journée même. Yeah, c'est ça, j'ai filé comme si, c'est pas la journée même, mais c'est ce que j'entends. Hein. Je vois ça se passer. Mais par contre, si on vient aux choses sérieuses, je vois qu'il va y avoir de la communication, tu vas lui partager quelque chose. Can bring you up. Donc pourquoi des excuses? C'est ça qui me rend confuse. Why? Oh, ok. Je sais pas, tu vas sûrement lui communiquer quelque chose qui te dérange. Parce que ici, on a quand même le 10 de bâton. À chaque fois, c'est après. C'est après ton anniversaire, ça. Là, je me trompe, là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être communiqué. Stress, ouais, stress. Have a nice, a good night. Thank you, Big Cap. And I hope to see you soon in our other life. Yeah, attends. Je ne sais pas comment les choses au niveau chronologique vont se passer. C'est juste ça mon affaire. C'est peut-être ça qui me fait bug. Mais comme je vois comme des moments intimes et tout, mais je vois aussi comme quoi que tu vas lui faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas de la manière qu'il semble ne pas donner beaucoup parce qu'il apparaît en tant que le page quand même. Bon, il y a quand même cette... ce King of Cups qui sort de là. Comme cette personne-là t'apprécie beaucoup. Cette personne-là a des sentiments pour toi. Mais il y a quelque chose qui semble être partagé. Oui, vous allez passer des bons moments, mais... Je ne sais pas, il y a quelque chose.
Je sais pas l'ordre chronologique, c'est juste ça qui me fait un peu comme hésiter. Mais il y a quelqu'un qui est peiné d'eau, il y a quelqu'un qui sent que les choses bougent pas ou les choses sont plutôt limitées ici. Il y a des informations qui vont être données. Il y a sûrement que tu vas lui partager, peut-être avant ou après, qu'est-ce que vous allez avoir comme journée. Comme quoi que tu sens que cette personne-là est décevante. Ou peut-être même que tu vas aller peut-être même dire qu'il est un petit peu sneaky même. Something like that. Mais je pense qu'il y a des choses que... Mais tu m'as un peu dit dans le chat tout à l'heure. Tu veux que les choses se passent différemment. Mais pas de mentir, je vois des moments intimes. Mais sinon, après ça, je pense que oui, une discussion risque d'avoir lieu. Parce que c'est comme si tu ne te sentiras pas... je parle pas au niveau intime, là. Mais tu ne te sentiras pas satisfaite, je pense, à cause de sa présence ou qu'est-ce qu'il a offert. Peut-être qu'il va te donner un gift ou quelque chose ou t'offrir quelque chose. Il y a une possibilité. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va quand même te déranger puis que je sens que tu as besoin de sortir de ton chest un peu. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que... Ben non, gars, et les discussions inconfortables parce que ça fait quand même un bon moment que tu deals avec cette personne-là. Why not? Yo, tu dis, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Yo. Peut-être parce que tu as peur. Ah, ok, that's why. Ok, c'est... Ah, ok. Ah, oh! Tu vois, Spirit parle avant moi, avant que je me rende compte de qu'est-ce qui est marqué. Non, Spirit veut que tu parles. Spirit veut que tu parles. C'est juste que j'ai l'impression que tu es dans la... Tu es comme plutôt craintive parce que tu as peur de le perdre et que ça soit terminé avec le 10 d'épée qui parle de fin ici. D'accord? Fait que ça, ouais, t'as peur que la personne change de direction, te trouve trop intense ou quoi que ce soit. Mais non, mais Spirit veut que tu speak out. Je veux que tu speak out, que tu mettes ton pied à terre, que tu communiques qu'est-ce que tu as à dire. Yeah. Je veux que tu communiques qu'est-ce que tu as à dire. Très franchement, là, en plus. Yeah, non. Parce que cette personne-là semble tellement très confortable que, genre, she go with the flow. Ou, tu sais, non. Non. Same as on here, but I have a white car with gold and silver wheels. Damn, OK. OK, big cap. J'espère que pour lui, il va me donner quelque chose de secret. Est-ce que je peux lui parler demain? Ben, parle-y quand tu es prête. Yes, il va communiquer avec. Yeah, parce qu'il faut qu'il y ait du changement dans la manière dont tu gères tes... Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. You're giving too much et lui pas assez. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une balance qu'il doit avoir là. OK? Il apprend le risque de le faire. Yeah. Ici, si tu vois que ça ne fonctionne pas, it's time to leave. L'éclipse, je dis, elle va être là, là, à faire le ménage même. Yeah. Je pense, oh, je vais être honnête, je n'ai pas l'impression que la conversation va tourner comme tu le souhaites, peut-être. Mais il y a quelque chose qui va te déranger avec la manière qui va te partager certaines choses. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te sentira. Moi, le message que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas te rendre satisfaite. So, je ne sais pas c'est quoi exactement. C'est peut-être la manière qui va délivrer certains messages ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment quelque chose qui va te faire comme ah, comme oh, thank you for the follow, Big Cap. Thank you. Sorry, Big Cap, I'm working right now. I don't really see the chat right now. Mais yeah, pense-y. Mais sois réceptive aussi. Parle-y, sois réceptive, mais parce que la reine d'épée, oui,
elle dit qu'est-ce qu'elle pense franchement et tout, mais tu vois, elle tend la main, fait qu'il y a comme aussi cette réceptivité à avoir. Puis après ça, tu dis, oui, c'est bon, j'ai compris, ben voilà, ta, 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 ta. OK? Et quand je dis de la réceptivité, c'est pas d'écouter pour répliquer, genre, automatiquement. C'est genre, écoute, qu'est-ce que la personne a à dire. Il faut que tu écoutes attentivement aussi qu'est-ce qu'elle a à dire pour que tu prêtes attention à si cette personne-là est sérieuse ou quelles sont réellement ses intentions. OK? So, yeah. Mais ouais, comme je te dis, c'est jouer un bon moment, mais qu'après ça, peut-être à cause des conversations qui vont avoir lieu, something qui va peut-être rendre les choses un petit peu plus compliquées. Mais la conversation est clairement importante. Juste clarifier une dernière fois. Yeah, non. Je peux pas mentir, il y a un conflit ou quelque chose ou des désagréments qui arrivent. Ouais, je pense que c'est le fait que c'est peut-être. Ah, c'est ça, non, il y a quelque chose qui arrive. La manière qu'il va faire les affaires à ton anniversaire ou quelque chose, ou qu'est-ce qu'il va te dire, va vraiment te déranger. Tu vas pas te sentir satisfaite par rapport à quelque chose. Je peux pas mentir, j'ai reposé la question. Est-ce que vous allez passer un bon moment? J'ai eu le 5 de bâton. Ça me parle de conflit, de désagrément, de malentendu. Je peux pas mentir. Il y a une possibilité que non, pas totalement. Du fait qu'il y a comme cette balance, toi, tu ne sembles pas être content. Puis lui, il semble même pas être conscient nécessairement qu'il fait certaines choses qui te dérangent ou qu'il n'accomplit pas certaines choses que tu expectes. Fait que la communication est importante. Après ça, à partir de cette conversation-là, ça va sûrement te permettre de comprendre où il en est, où vous en êtes tous les deux dans cette connexion-là. Fait que oui, s'il n'y a rien qui a été dit, c'est normal que tu n'aies pas vraiment dans la compréhension, ou peut-être dans la confusion, il faut que vous parlez. OK? Ouais, il y a clairement un manque de maturité. J'ai plein de pages. C'est même la manière qu'il voit l'amour ou les relations aussi qui semble aussi être immature aussi. Ça peut être quelqu'un qui focus beaucoup sur, tu sais, la phase du lune de miel, mais qui ne comprend pas que aussi dans les relations, il y a des challenges aussi. Ce n'est pas toujours rose et féerique non plus, là. Tu comprends que c'est des bons moments tout le temps. Mais il y a vraiment, ouais, une manière immature de s'exprimer ici. So, il y a fait quoi discussion avant, même dans sa manière de communiquer. Et dans sa manière, il y a plein de pages. Sa manière de communiquer semble être plutôt immature. Mais c'est pas de ta faute, ça, en plus, là. En passant, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si cette personne-là est comme ça. Fait que. Fait que, ouais, une discussion importante à avoir, hein. Ça serait très important. Mais. Peu importe le résultat que ça va donner, si par exemple, parce qu'il y a quand même une possibilité que ça ne va pas vers la direction que tu souhaites, peut-être je me trompe, mais si ça ne va pas dans la direction que tu souhaites, comme essaie de ne pas mettre tout ce poids lourd sur toi et tout, puis essaie de te dire comment ah, si ça n'a pas fonctionné, ou si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'est pas au même niveau là aussi. OK? Fait que c'est ça, fait que. Ouais, mais s'il est triste, il sera. C'est pas pour être méchante, mais si par exemple tu lui fais comprendre qu'est-ce que tu désires ou qu'est-ce que tu voudrais de cette connexion-là, comme be straight pour de vrai, ça fait quand même. C'est pas quelqu'un que tu viens de commencer, je pense, à dealer, ça fait un petit bout de temps. Tu as le droit de savoir où en est cette personne-là aussi. Tu as le droit d'exprimer où tu veux que vous soyez aussi. Tu as le droit et c'est nécessaire d'avoir ces conversations-là. Parce qu'à la fin de la journée, je ne pense pas que tu veux juste rester dans une connexion just like that. I think you want something else, something better, you want something stable. So, tu as le droit d'échanger ça avec cette personne-là. Et si encore une fois, cette personne-là n'est pas prête, tu peux pas attendre que cette personne-là soit prête. C'est juste que j'ai pas ça en moi d'avoir une chicane avec lui. Maybe c'est comme ça qu'il doit apprendre. So. Yes.
I hope qu'il n'y a pas de chicane qui va pop-up et que vous serez capable d'être réceptif l'un vers l'autre. On le souhaite pour de vrai parce que, tu sais, si vous mettez carte sur table, je ne vois pas pourquoi il y aurait des conflits. Mais c'est peut-être aussi, peut-être qu'un ou l'autre ne va pas avoir la réponse qu'il souhaite avoir. Fait que c'est peut-être ça qui va causer comme cet énervement ou quelque chose. Mais et I hope que je me trompe et que les choses tournent d'une bonne manière, like. Mais ouais, discussion à savoir, parce que tu sembles ne pas savoir où elle se tient réellement. So, faut que tu saches. Bon, ben, je vais attendre après ma fête. Ah, mais ça, c'est comme tu veux, ma belle. C'est vraiment comme tu veux. Comme c'est ça, j'ai vu comme après. Fait que c'est ça, j'ai comme vu, vous allez sûrement passer un bon moment, mais comme après ça, j'ai l'impression que c'est après que la conversation va venir. I don't know. So. Ah, mais des fois, il faut faire face à ça. Hein. Des fois, c'est parce que peut-être que tu ne veux pas entendre ça aussi, mais c'est vrai. Oh, c'est vrai, hein? C'est le ramadan encore. Ça termine quand le ramadan? Non, non, c'est bon, tu lui parles. Ben c'est ça, tu vois, j'ai vu que ça venait après. Mais encore, les choses peuvent changer. Hein. Mais j'ai vu la conversation s'en venir après. Fait que... Et ma fête, c'est le 11. Ah! Oh. Ok. Je vois. Ben, essaie de profiter de ton anniversaire aussi. Hein. Comme, c'est ton anniversaire. Et really, girl, it's not your man. So, mais pas tout ton focus de ta fête sur cette personne. I know you want to be codole, see, gâté, things, but it's not your man. So profite de ton anniversaire. Enjoy. Enjoy, please. 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 Yeah, j'espère. Please. Tu ne peux pas trop mettre ton focus à attendre que cette personne-là fasse quelque chose. Do you, boubou? Do you? Yeah, enjoy. I don't know if you're into party or something. Ou peu importe ce qui te ferait plaisir. It's your day. Laisse pas quelque chose le ruiner. OK? So... Et puis, en même temps, ça va te montrer aussi qu'est-ce que tu as besoin de voir. Si, par exemple, même si ce n'est pas juste lui, on va dire les personnes en général, tu vas voir. Tu vas voir à ta fête qu'est-ce que tu as besoin de voir. Mais pour de vrai, l'importance, c'est... Mets pas ta journée en conséquence des actions de cette personne-là. C'est plate. Et sinon, je n'ai pas besoin de te dire, it's not your man. So, enjoy. Ouais, je sais. Ouais, don't cry, girl. Don't cry. Oh non, est-ce qu'il est tout chaud? Yeah, non. Je sais c'est quoi. Je sais. Peut-être, tu sais pas, peut-être qu'il te réserve quelque chose. Ou même s'il le fait pas, juste, je sais que c'est déchirant, but go enjoy your birthday. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans ta tête. Tu essaies de... Ou tu veux voir qu'est-ce qu'il va faire à ta birthday parce que présentement, il donne chaud. Parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il ne te montre pas beaucoup présentement. Et ça t'inquiète. That's the thing. Oh, girl. Oh, non. Girl, go enjoy. Go enjoy. He don't even text you, man. Ça fait date en plus, là, quand même. Ça fait un bout de temps, là. Non. Tu mérites mieux. Puis je suis pas là pour... J'ai l'impression, parce que je veux pas que tu penses que je dis ça pour te déchirer ou quoi que ce soit. I want better for you. And ça, il est même pas capable de te reply ou text. Non, go enjoy yourself.
Ouais, c'est ça, ils te mentent pas beaucoup et ça te fait peur, mais toi, tu attends encore au lieu de dire yo fuck his ass. T'as même pas besoin de faire comme si yo fuck toi tout avec de l'arrogance. Tu dis yo, ça marche pas pour moi, puis c'est tout. Mais moi, je vais te donner une anecdote. Ok, il répond, mais est-ce que c'est toi qui dois toujours texter? Parce que tu dis, il te texte pas. Est-ce qu'il prend le temps de te texter? Même pas juste ça. C'est juste moi qui reach out en premier. Voilà. 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 Tu viens de répondre à tes questions. Après ça, tu fais qu'est-ce que tu veux. Je vais te donner une anecdote. Moi aussi, à un moment donné, quand je fréquentais quelqu'un. Au début, bon, on se textait, il m'appelait, blablabla, on se voyait. OK, good. À un moment donné, là, j'ai vu que le gars, là, il a pris ses distances. Là. Il faisait plus bébé d'efforts. Puis j'essayais de faire des efforts, me disant, OK, peut-être qu'il va. Tu sais, c'était durant, je pense que c'était durant la pandémie. He was not my man. Je le fréquentais. Je faisais des efforts, mais quand j'ai vu le petit bout de caca, là, le petit bout de caca m'occupait presque pas, là. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas pour moi ça. Et là, c'est là que son ego a frappé. Oh ben non, j'allais t'appeler, j'allais te texter. Oh ben il a fallu que je te dise que je fais peace out pour que tu vois que j'existe. Non merde, bye. Straight up. Straight up. Money, ça suffit. Non. Je comprends le go with the flow, mais il faut aussi piloter le bateau des fois. Voilà, faut pas oublier qu'on est amis first, genre exercice, même si en tant qu'ami. Ouais, mais ma affaire, c'est parce que toi, tu expectes beaucoup de lui présentement. Tu es là, tu me donnes des excuses, c'est ton ami, vous êtes amis et tout. C'est toi qui réponds en premier, il est très réceptif, mais tu t'attends à quand même qu'il fasse plus d'efforts. Est-ce que tu t'écoutes parler un peu? Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes. Leave him alone ou parle-lui quand il va te parler, whatever. But moi, je veux vraiment que tu profites de ton anniversaire et que you don't expect nothing to from him. That's it. That's it. Et ça aussi, c'est toujours toi qui reach out en premier. Laisse-le peut-être l'espace de le faire. Et si tu vois qu'il ne fait rien, ça t'en dit beaucoup. Ouais, fais. Je sais que tu t'écoutes le plus possible. Puis je sais que aussi, là, des fois, là, peut-être vous me regardez puis que vous n'aimez pas ce que je dis. Je suis pas là pour juger personne. But it's true, I can't. Je peux pas commencer à dire yo, let's go sis, ok yo, let's go sis. Quand toi-même tu dis qu'il fait pas assez, je peux pas comme non. Ya, t'attends pas à rien. Ben, c'est pas vrai que tu t'attends à rien. C'est pas vrai parce que tu m'as posé la question. Tu t'attends pas à quelque chose, tu t'attends à quelque chose. Sois honnête avec toi-même. Tu t'attends à quelque chose, tu ne m'aurais pas posé la question. Bon, c'est vrai que tu m'as incité pour m'encourager, mais tu poses quand même des questions. Soit à quelque part, oui, tu expectes quelque chose. Puis je comprends aussi, je le comprends. Je le comprends en passant, hein. Je ne suis pas contre toi. Je veux juste t'aider. Je veux juste t'aider. C'est pour ça que je veux que tu enjoies ton anniversaire. Pour toi. Et if he comes, mais imagine là, je sais pas, tu sors. Puis t'appelles, yo, t'es où? Nan, nan, nan. Ok, c'est ok, come. But, sinon, other than that, make the day about you. Ok. Oh, ok. Après ça, tu verras comment les choses se passent. Bon, vous avez déjà organisé votre journée, ok, c'est bon. Mais je pense que je suis sûre que tu voudrais qu'il en fasse plus, hein. Je suis sûre. Vous avez cédulé, vous cédulez votre journée, mais je suis pas mal sûre que tu expectes qu'il fasse un peu plus. Ouais, c'est ça. Yeah, you expect something from him. This is what your girl. T'as le droit d'obtenir ce que tu veux. T'as le droit. T'as le droit. Pardon. Si lui veut pas le faire, ça te dit, ça t'en dit déjà, non?
Yeah, it's parce que it's your day. T'es pas, à moins que tu sois twins et je savais pas, mais sinon t'es né tout seul. Mais c'est eux qui a Richard. Oh Lord. Ok. Sinon, ok, you give him the couch and he give you what? C'est sûr que ben c'est ça. C'est pas parce que tu donnes le couch qu'il va faire qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse. It's a man. Some men sometimes, girl. Sometimes. They give you what? Girl, please. Please, 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 please. You're not supposed to give the coochie to expect or to have something from him. No. You're giving the coochie and what? Il donne quoi à lui? Ok. Le zozo and? Ah. Ok. Pas de ce sens-là. Ok. Il fait un peu là. J'étais comme, attends là. Tu fais peur là. Qu'est-ce que tu dis là, s'il vous plaît? Oh, big cap, you still here? He hear the coochie words. Okay. Ah, mais même si t'es comme ça et tout, c'est juste que je sais, je vois que tu désires plus de cette personne-là. Anyway, dans tous les cas, ayez une discussion. Ok? Ayez une discussion. Big Cap is back. Yeah. Big Cap back. Big Cap back. Big Cap back. Oh, je suis trop niaiseuse, man. Mais sinon, Tina, j'espère que cette conversation-là va être bonne. Puis tu auras les confirmations que tu as besoin d'obtenir pour de vrai. Parce que tu sais, c'est plate que c'est toujours toi qui reach out, qui organise, puis cette personne-là fait rien. Je comprends pourquoi tu es frustré, mais en même temps, leave the space to this person to show you. Laisse-le te show. So, si tu vois qu'après 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours, whatever, ils don't do shit. Girl, on est combien? 3, 4 millions de personnes? OK? Yes, I've been here the whole time just cooking breakfast food for dinner tonight. Damn. Okay, big cat. I'm happy that you're here. I don't know if you understand the whole conversation, but hey, thank you to being for being here with me. Ouais, c'est ça, je comprends. Vraiment avoir une conversation avec lui d'eau pour ma paix d'esprit. Ouais, mais pay attention. Pay attention to the red flags. If he don't know, s'il apporte de la confusion encore, ça t'en dit long. Un je sais pas, prends ça pour un non. Ben yo, ta sis veut ton bien. Ta sis veut ton bien. Bon, peut-être que tu veux pas que ta sis dise tout ça, là. En live, t'inquiète pas. Vous n'êtes pas obligé de tout non plus me dire vos affaires non plus. Ça fait nanana. On va bloquer Big Cap. Si je te dis tout
Mais des fois, tu sais, il faut laisser les gens expérimenter leurs affaires. Elle va peut-être voir. Peut-être aussi qu'il va décider de faire des efforts aussi. I don't know, but ouais, c'est nécessaire que tu te rends compte des choses parce que c'est. Il faut que tu laisses. Puis tu sais, encore une fois, quand je te dis ça, Tina, c'est parce que I've been there. J'ai été là. Tu me fais penser à moi, là, il y a quelques années. I've been there. I've been there. Quand je te dis j'étais là, et après ça, bon Dieu m'a donné un go! Oui, je me suis foutu une claque. Bon Dieu m'a. Non, réveille. J'étais très naïve. Ignorer les red flags, oh, c'était mon métier, ça. C'était mon métier. Oh, c'était moi, ça. Red flags, oh, où ça? Il n'y en a pas. I can see it. So, yo. Ouh, en tout cas, for real, j'ai juste peur, ma sis, quand même. He treat you good? Beside the bed? I hope. Ma sis, de ce que j'ai vu, ce genre de son connexion. Yeah, you need to talk more. Talk to him more. I hope he treat you good beside the home. Si tu comprends ce que je veux dire. Déjà là, I don't see, you already tell me that he don't text you. It's always you that reaching out. That's tell me a lot. But I hope que cette conversation-là va être constructive et qu'il va te permettre d'obtenir les messages que tu dois obtenir, qu'elles soient positives ou négatives. OK. I've been hard. Peut-être que je suis trop hard sur lui. You know. Je vous ai dans mon cœur pareil. Good night. Good night, big cap. So, yeah. But I hope this man. It's a good one. Yeah, no, je sais. But you expect a lot from him that I see he can't give you. So be aware of that. En tout cas, so yeah, girls. Talk to him about it. Talk to him. Mais, ok, mais je vais pas, tu sais, on est quand même en live, fait que je vais pas quand même poser des questions là, of course, parce que peut-être que c'est plus en privé avec lui que tu devrais lui dire qu'est-ce que tu voudrais réellement de cette relation, de cette connexion, peut-être. Dis-le-moi pas là. Okay, parle-en à lui, ok? Oui, il y a des maringouins, il y a des abeilles même. De rien, je sais que des fois, de la manière que je parle, c'est très. Je sais. C'est pas tout le monde qui aime les vierges à cause de la manière qu'on parle, but hey. Je peux pas toujours consonner certaines choses. C'est aussi simple que ça. Mais de rien, de rien, de rien, girls, de rien. Oh bon. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que là, surtout vous deux, vous commencez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Faites-moi savoir si vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, c'est mon signal. C'est mon signal, donc. Regardez. Regardez. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Blue. Louis. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon autre mère, ça, là. Ça, c'est mon autre mère, oui.
c'est mon autre mère. Je vous présente ma deuxième mère qui est en train de me dire que c'est l'heure que j'aille me coucher. Oui, c'est mon signal en passant. T'as compris? Elle doit faire mes sortes de décoller. Oui, son nom, mais son nom c'est comme l'émission sur Disney, c'est Blue Hay, Bluey, mais je l'appelle Bluey. Sinon son nickname c'est Blue. Yeah, c'est... Tu vois, elle est partie. Je te dis, ce chat-là est en train de dire, ah, let's go, là. Fais longtemps, on t'attend, là. Let's go, là. Pas les toits, là. Elle trouve que je parle trop. Oh, il est 11h. Oh, OK, j'ai compris. Yeah, OK, j'y vais, gars. I miss him, though. Parle-lui. Et comme... Mets ton pied à terre. Merci. Dans le fond, attends, son nom s'écrit comme ça. Mais je le prononce comme ça. Ou comme ça. Fait que dans le fond, ça c'est son nom. Parce que quand elle est arrivée chez moi, comme son pelage est gris, mais je sais pas, ça me donnait des reflets. Bleu foncé, je sais pas, au début, fait que j'étais comment. Puis aussi parce que dans ce temps-là, j'écoutais les petits bonhommes avec mon fils, qui s'appelait Blue Hay. C'est une émission de chien, là, sur Disney, un petit chien bleu. J'étais comme, yo, le nom est trop cool, fait que je l'appelais comme ça. Bon. Guys, je pense que je vais m'arrêter là pour de vrai. Je parle en pile. Et je dois faire slip quelqu'un. Je trouve qu'il en profite beaucoup. Il est très silencieux tout d'un coup parce qu'il sait que habituellement j'aurais dit « Dodo! » So, je vais vous laisser là-dessus. Et yes, girls! Oh, tu connais Blue Hay? Happy! En plus, Hey! Chut! Je parle pas! On a commencé Fairy Tale, moi puis lui. Ouais, Happy le chat bleu. Oh, j'avais pas pensé à Happy. On a commencé récemment et Fairy Tale, on est rendu, je pense, à l'épisode 4 pour lui. Là, lui, il est avancé vraiment dans Naruto. On est genre à l'épisode 90 dans Shippuden maintenant. Sauf que moi, j'ai recommencé la section de la guerre avec Naruto parce qu'il faut que je le réécoute. Mais ouais. Oh, Happy. Je pense que demain, je vais écouter Fairy Tail. De rien. J'espère que je ne suis pas trop harsh avec vous, girls, ou même avec les gens qui me regardent là. Mais it's all love, like, no judgment here. Comme, like, solide. Je veux juste le bien, c'est tout. Je veux juste le bien. J'y pense et peut-être qu'avec la couvre et le tirage, ça va le révéler. Réveiller. Peut-être. Mais si après ça, si tu vois qu'il n'y a pas de changement, tu sais quoi faire. Yeah, it's all love. Je pense que maintenant, vous savez comment je fonctionne aussi. Hein. Je peux... Ouais, Fairy Tail, c'était le, yeah, moi aussi, pour de vrai. Je me rappelle, j'étais en secondaire 3, quand on m'assistait à l'écouter. Puis dans le temps, c'est là qu'il y avait les boîtes de satellites, là, illico, puis tout. Je me rappelle, ils fournissaient, ça avait donné plusieurs mois de Fairy Tail gratuit. Oh, j'ai tellement fini ça rapidement. Mes amis, c'était tanné. Je venais pas jouer dehors. C'était comme, yo, lâche ton Fairy Tail. C'était mon ex partenaire qui me disait, il faut que t'écoutes Fairy Tail, il faut que t'écoutes. Au début, je voulais rien savoir, mais finalement, là, waouh. C'est cool, Fairy Tail. Je ne te converse pas. Mais c'est cool. Oui, c'est cool, effectivement. Il y a Fairy Tail et Naruto. Je suis pas capable de rentrer dans les One Piece et tout encore. Ou One Punch Man, ou je suis pas encore là. J'ai même pas encore fini Death Note. J'ai même pas fini Death Note. Oh, elle connaît ça. Non plus. Elle connaît.
Tu savais pas que je connaissais Death Note? C'est Death Note. C'est quand tu écris un nom dans un livre. T'as écouté Death Note? Non, mais je sais. Quand tu écris un nom dans un livre, la personne meurt. Il peut être broyé, comme ça. T'as écouté ça où? J'ai pas écouté. Je le connais. Ok. Et parfois, c'est un mode dans Minecraft. Hein. Et là, il meurt. Pour vrai? Ouais. Où t'as écouté ça? Tu l'as écouté. Où t'as écouté Death Note? J'ai pas écouté l'émission. On va se parler après. Mais je peux prendre un malando. C'est trop bon. Je comprends pas d'où il a ces informations-là sur Death Note. Je jure, j'ai jamais écouté Death Note avec lui. Et maman, écoute One Piece aussi. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il a raison, là, avec ce qu'il me donne comme information. Oh, ciboulette, cette génération. La quille, elle va venir, non? Ok, mon amour, ça suffit, là. Ok. Non, il n'a pas lu. C'est sûrement sur YouTube. Sûrement sur oui, YouTube. C'est sur YouTube. Il y a des sortes. Il y a comme un mec qui demande à sa fille. Il y a combien de mecs? Elle a écrit tout le nom, mais elle a écrit lui à côté. Ils sont tous morts. Ok, Romain. Il y en avait 25. Okay, merci. Ok, c'est à cause des shorts sur YouTube. Ah, arrête. C'est honnête. Je sais pas si je veux qu'il écoute Death Note, c'est ça. Mais c'est trop cool. Non, non, c'est en fait, quelque chose. Va prendre du jus. Mm-hmm. Ouais, ces enfants sont tellement intelligents, c'est incroyable. Death Note, c'est noir et blanc. Ok, Romeo, je suis en live, merci. Je vais chercher l'enfant. Comment il a donné là? Oh, t'inquiète pas, ça va fou dans pas long. Mais oui, il y a de l'énergie là, je comprends pas là. Mais dans pas long, là, on va s'installer, écouter un petit quelque chose, puis il va sleep, là. On va écouter Naruto. Ok, j'arrête. Mais il était tranquille il y a quelques minutes. C'est juste que là, il se sent impliqué dans le live. Fait que là, il est comme super content. Non, mais je vais devenir populaire. Je vais être l'enfant le plus populaire. Je vais aller jouer à Fortnite. Mais attends, c'est même pas faux, hein. C'est dans ton buff chart. C'est même pas faux. Je sais qu'un jour, tu vas être populaire. C'est ça, le pire. Je vais devenir joueur basket. YouTuber basket. Il va falloir qu'on s'accroche à ça. On s'accroche plutôt. Ça va être populaire. Ouais. Mm-hmm. Ok, ça suffit. Okay, merci. Tu vois, il devrait attendre parce qu'il y a 15 ans. Yo, mais moi, j'écoutais Death Note puis j'étais. Ouais, non, même moi, Death Note, quoi, à peu près, c'était ça aussi, j'ai écouté Death Note. Moi, j'avais 15 ans. Death Note, c'est Death Note. Ok, Romeo, là, ça suffit. D'accord. Même moi, j'étais stressée quand j'ai écouté. Bon, j'ai même pas fini les épisodes. Ouais, je... Death Note. The Razor Famous Book. Ouais, mais dans son buff chat, il a son Jupiter en lion. Dans sa septième maison. Enfin, je vérifie. Mais il a une position de Jupiter en lion qui va le rendre populaire, vraiment ouf. Soit dans la communauté ou soit globalement. C'est comme, bro, ça me fait peur, là. Oh, moi, je préfère. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, ce placement-là. Là. Mais ouais, ça a l'air qu'il va être populaire. Il est en train de... Il veut devenir basketteur. Il veut devenir plein de choses. Parce qu'on t'entend. Ah, mais c'est cool. Demande à savoir vos rêves. Puis moi, c'est le contraire. Je suis toujours en mode ermite. Fait que moi, les affaires de popularité... Oh, t'es rien, ça veut dire... Arrête, là, tu me déranges. Ok, j'arrête. Merci. Arrête pas, maître. Là, tu vas me rendre méchante, là. Pas gentille. De quoi dans le live, j'aime pas ça, là. Je vais dire que je suis pas gentille, là. T'es juste un gros saumon. Ok, Roméo, je vais m'en aller, moi aussi. Non, guys, non, pour de vrai, depuis tout à l'heure, je dis que je vais partir, mais je vais partir. Sauf si vous avez besoin de mes services. Oui, il a dit Jiraya. Il a dit Jiraya. Parce que j'ai dit l'ermite. Je sais pas comment ils sont ces enfants-là. Oh, je suis pas à l'abri de rien. L'ermite panette. En tout cas, guys, je vais vous laisser.
Là, c'est le temps d'aller me démaquiller, guys. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me rejoindre. Je pense, oui, je l'ai écrit comme quoi que mon rituel, c'est le 10. Je pense pas que j'ai d'autres annonces à faire. Mes tirages sur Patreon, guys, je sais que je suis un peu late, mais je vais le sortir très bientôt. Je l'ai commencé très bientôt. Soyez patients avec moi. Puis c'est ça, guys. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter, non? Pour de vrai. Non, je pense pas. So, peut-être rester à l'affût. Je vais sûrement faire un spécial sur mon story readings pour tous ceux qui me regardent parce qu'on est plusieurs à me regarder. Je vais faire un spécial demain, genre qu'est-ce que l'éclipse va nous apporter dans nos vies personnelles comme tirage spécial sur Instagram. Puis c'est ça. De rien, je suis contente que vous avez apprécié le live et on se voit, I hope, très bientôt et allez visiter mon contenu sur YouTube, OK, guys? N'oubliez pas de faire ça. Prenez soin de vous et à la prochaine. Yeah, the talk was talking. Yes. Bye, guys.